Bonjour à toutes et à tous. Alors, avec un peu de retard, parce que j'ai reçu un paquet de questions, il y en a plus de 30. J'ai dû donc en sélectionner 3 pour les consultes de cette semaine, donc vous prie de m'excuser pour ceux et celles à qui je ne pourrai pas répondre. Mais je les reporterai sur les semaines à venir, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui gagneront bien sûr le tirage au sort. Alors aujourd'hui, on va faire donc 3 questions, comme je vous le disais. Alors excusez-moi aussi pour ma voix, parce que j'ai un peu la crève, on va dire, cette saison. Donc pas surprenant, donc si je tousse, si je m'étrangle, vous ne serez pas surpris, hein, la vidéo est faite en live, donc il n'y a pas de remontage derrière. Alors aujourd'hui, on va prendre donc 3 questions, comme je vous le disais, voilà, et je laisse les autres pour la semaine prochaine. Alors on va d'abord s'occuper de Imé, donc qui me demande quelle est en gros... Le fait qu'elle a une relation avec quelqu'un aujourd'hui, mais que cette relation, en gros, s'étiole. Hein, effectivement, il se passe quelque chose qui est aujourd'hui pas terrible et c'est plus comme au début de la relation. Alors, vous m'avez donné le 6, le 8, le 9, le 7 et le 12. Donc, en numérologie, tout ça, après mes calculs, n'est pas terrible. C'est-à-dire qu'effectivement, on a plutôt tendance là à avoir vraiment, vraiment un éloignement, quelque chose qui indique un choix. Donc après, je me réserve moi le fait de ne pas tout vous dire, parce que non pas que je veuille vous cacher des choses, mais simplement le fait que quelque part, je préférerais vous entendre pour être sûr. Mais je vous donnais comme une indication, je ne suis pas certain que cette personne soit aujourd'hui seule dans sa vie. Donc il est possible, effectivement, que cette personne ait rencontré quelqu'un d'autre. Donc on va regarder tout ça. Donc, on va battre les cartes, je vais me concentrer sur vous et nous allons regarder, Imé, ce que ça donne. Alors, je coupe. Vous voyez, j'ai encore le choix, hein. J'ai l'amoureux, donc on a bien effectivement cette notion de choix qui ressort à nouveau même dans les cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous aurez certainement un retour de cette personne, mais pour moi, le résultat, tel que vous l'attendez, c'est-à-dire une reprise vraiment de votre histoire et quelque chose qui fonctionne bien, pour moi, n'est pas au rendez-vous, malheureusement, hein. J'ai l'impression que cette personne est partie sur d'autres horizons, malheureusement. Donc, je vous invite à me consulter en privé pour qu'on puisse voir un petit peu plus en détail ce que ça donne, parce que c'est vrai que c'est pas génial, je vais pas vous mentir, hein. Pour moi, en tout cas, pour le moment, il y a un vrai blocage et je ne vois pas le retour, malheureusement. J'en suis désolé. Bon, les questions gratuites commencent bien. Nous allons regarder la deuxième question, qui est effectivement une question de Myriam. Elle me dit qu'un bouleversement sentimental s'est produit dans sa vie, donc question affective à nouveau. Est-ce qu'elle va remonter la pente? Alors Myriam, vous m'avez donné le 7, 5, 9, 15 et 21. Donc oui, on a bien un redémarrage pour vous après encore une période critique que moi je mettrai jusqu'au printemps, qui me semble difficile moralement. Vous allez pouvoir remonter. Alors, on va regarder ce que les cartes nous donnent, hein, mais pour moi, effectivement, il y a encore une période qui n'est pas facile pour vous, mais on va arriver quand même par rapport à ça à, je dirais, vraiment, vraiment remonter la pente et vivre les choses un peu mieux, même si elles sont compliquées, ces choses. Alors, je coupe. Oui, on retrouve l'équilibre. Ce qu'il vous faut, c'est un nouveau départ affectif. Ce qu'il vous faut, c'est vraiment repartir sur de nouvelles bases pour quelque chose qui va effectivement vous revigorer. Je pense que vous avez besoin d'amour au sens noble du terme. Et c'est ça qui va vous permettre de repartir sur quelque chose. Alors, 5, alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oui, vous allez rebondir, vous allez faire la connaissance de quelqu'un qui sera pour moi divorcé, mais qui sera seul, hein, il n'y a pas d'histoire de maîtresse et ce genre de choses, vous serez la personne de sa vie, il y a cette personne qui rentre dans votre vie, je vous ai donné cette indication de quelqu'un de divorcé, donc la rencontre se fera je pense vers le mois de mars, et là vous aurez vraiment du positif, quelque chose qui pour moi vous permet de rebondir et d'être heureuse. Allez, quand même enfin. Une question positive, enfin une réponse positive, j'aimerais bien que ça le soit pour
pour tous nos consultants. Alors, la dernière question, c'est une question de Nadia. Alors, elle souhaiterait savoir si un jour elle va faire une rencontre basée sur le respect et la confiance. Alors, oui, Nadia, bien sûr que vous allez faire une rencontre basée sur tout ce qui est noble dans ce qui est justement, comme je disais à l'instant, affectif. Vous allez faire cette rencontre, ça c'est sûr, et pour moi c'est avant l'été 2017. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas à ce jour, c'est quelqu'un d'absolument nouveau qui rentre dans votre vie. Vous m'avez donné le 17, le 21, le 9, le 14 et le 7, ce qui nous indique une nouvelle orientation quant au choix, je dirais, du promis, du partenaire, quelque chose de très différent de ce que vous avez connu. Peut-être aussi, si je peux me permettre de vous dire ça, vous avez fait de mauvais choix. Vous avez misé sur les mauvaises personnes et ça nous a amené une situation très compliquée pour vous. Ça, nous sommes d'accord. Mais pour moi, on arrive au bout du tunnel, on a quelque chose avant l'été. Alors un peu de patience. On va faire une coupe également pour confirmer tout ça. Et je vous rappelle que si vous souhaitez faire comme nos trois consultants, tenter votre chance et gagner une question gratuite en direct. Vous allez sur mon site www.pur-medium.com, vous remplissez le formulaire dans l'onglet questions de voyance gratuite et vous serez peut-être l'heureux élu. Et si vous souhaitez me consulter en privé, c'est la même chose, www.pur-medium.com ou par le standard automatique. Allez, on se reconcentre sur Nadia. Bien sûr que Nadia, vous avez encore une période d'hésitation là qu'on a avec le pendu. Vous n'êtes pas encore bien, vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes perturbé, mais regardez derrière, on a le monde. La meilleure carte qui soit, en tout cas l'une des meilleures cartes du jeu du tarot. Donc on part sur quelque chose vraiment de chouette. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Allez, je regarde. Ouais. Il faut vraiment que vous plongiez un petit peu, vous fonctionnez comme ça, que vous partiez sur quelque chose de pas terrible pour rebondir. C'est ce que je vois. Donc vous allez rebondir. Il y a effectivement une nouvelle rencontre avant l'été. Et ça, vous m'en direz des nouvelles d'ici là, Nadia. Voilà pour aujourd'hui les questions gratuites. Ben, il faut bien s'arrêter à un moment donné, sinon c'est avec plaisir. Je passerai des heures avec vous. Mais bon, mes consultants m'attendent. Je vous dis à la semaine prochaine avec toutes les autres questions. Et puis n'hésitez pas à nous contacter 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour une voyance en privé, www.pur-medium.com. Je vous souhaite une bonne semaine, à très vite!